J'ai commencé vers 10 ans et j'ai pris une guitare à un moment donné naturellement, je crois suite à un accident de vélo, je me suis pété le bras et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclenchement, il y a eu un truc. Il y avait une vraie passion sur l'instrument. La guitare, ça m'a rendu fou, quoi. Je me relevais la nuit pour jouer et je m'enfermais dans les toilettes avec ma guitare on vivait dans un appartement qui était petit et je voulais pas les réveiller. Donc je me cachais et je jouais secrètement. Évidemment, je me suis fait griller. Et jusqu'à 14 ans, j'ai bossé parce que ça m'envahissait. Il n'y avait plus que ça. Tout l'univers me plaisait. Il n'y avait pas que la musique, il y avait tout l'esthétique autour. C'était un besoin. Voilà. C'était ça. Donc, je me suis jamais vraiment demandé si j'allais faire autre chose. Pour faire de la musique, quelqu'un qui commence, il faut monter un groupe et jouer avec des gens. Peu importe le niveau il évolue avec le temps et les choses se font, mais il faut jouer avec des musiciens. Moi c'est comme ça que j'ai fait, mais tous les codes de la musique se passent avec les autres instruments. Tu fais pas que de la guitare, tu joues. Moi je suis guitariste, mais mais la guitare c'est un instrument parmi les autres, donc il faut que la sauce elle prenne et c'est en jouant avec les autres. Donc monter un groupe et jouer. L'élément premier de faire de la musique, c'est de la partager. Faire de la musique pour faire de la musique tout seul dans ton coin, pour moi ça a pas de sens. Des concerts, tout de suite tu vois l'impact que ça a sur les gens, c'est gagné. Et c'est là que ça prend son sens et je pense que c'est à partir de là que tu peux penser que ça peut être ta vie et que tu peux vivre de ça et que c'est ça qui te nourrit. C'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut jouer et faire des concerts. Je pourrais pas vivre si j'avais pas de concerts à faire. C'est un truc qui me manque le plus quand j'en ai pas. Le studio c'est une chose, c'est un truc de création. Et les concerts, c'est un truc de partage. C'est un des trucs les plus importants. Il faut digérer ça, il faut offrir ça aux gens.